Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Hellblade: Senua's Sacrifice. Je voulais vous remercier, remercier les gens qui ont mis des petits likes sur la vidéo précédente, ça fait toujours plaisir. Et donc là, on va continuer, on va avancer un petit peu. Alors, je suis toujours sur PC. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow. Whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Dans l'épisode précédent, donc on dirigeait cette jeune femme qui entend pas mal de voix. Où il y a pas mal de voix qui la suivent. On nous a appris comment nous battre. Je pensais qu'on était mort, mais en fait là, si vous voyez bien sur la main, il y a une espèce de pourriture, de malédiction qui arrive. Et donc là, il y a deux personnes à vaincre, deux espèces de dieux, je crois. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Him, Senua, and spill his blood. On va essayer de le trouver, de répandre son sang, comme la voix nous l'a demandé. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast, was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. En tout cas, le jeu est quand même très très beau. Alors, je sais pas si le rendu au niveau de la vidéo vous donne ce même effet, mais je trouve le jeu très très beau, très propre. Il est sorti il y a 2 ans, je crois à peu près. Il a dû sortir en 2017. Alors là-bas, il y a des flammes. J'ai un peu de mal à maîtriser les combats à la souris, mais... Aïe. En fait, c'est shift pour aïe. Faut pas que je meure, sinon je me prends de la malédiction. Alors, en fait, c'est shift pour courir et contrôle pour parer. Je voulais parer justement. Cries carried in the wind.
them too, Senua? Yes. I heard their screams. And I still hear them now. Ok, donc là, il va falloir que je trouve le symbole. Des fois, c'est un petit peu pesant les voix qu'on entend. Je sais pas, là ça a l'air d'être ici. En tout cas, je vois pas le symbole. Par contre, là il y a l'air d'en avoir un autre. Il y avait une espèce de Y tout à l'heure. Ils écoutaient les cris. Ils me disent de suivre les cris, mais désolé pour le bruit. Il y a rien. Si on va par là, il y a un petit point de lumière. Quelque chose que je ne vois pas. Find them.
Bah, j'essaie de les suivre les cris, mais je sais pas. Quelle idée de graver des... Ah. Apparemment ça va pas être ça. J'avoue, je suis passé dessus hein, mais je... Plus je vais par là, plus il y a des espèces de haches. C'est pas très voyant. Bah, dites-moi où sont les runes, parce que là je trouve pas moi. Enfin, je suis peut-être un peu bête hein, mais. Désolé, mais je suis myope en plus, donc pour les mettre en évidence. Là, on voit, là, il y a les H et de l'autre côté, il y avait les Y. Là on voit sur mon écran, il y a les deux qui réapparaissent. Donc. We each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Okay. Ça me dit toujours pas où sont les runes.
The prince. Ouais. Ils me disent, les cris vont t'aider, mais... Tu peux entendre les runes. Désolé. Lui, ça fait vraiment. Apparemment, je suis trop. Mince. Recule un peu. Que j'ai rien. Je vais éviter que j'ai rien sur les murs. Bah, je suis perdu. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, avance. Il y en a de plus en plus, mais... Là, on a lui. C'est peut-être un truc comme ça. Si on avance avec l'angle, ça fera peut-être la... En fait, faut entendre, apparemment ils disent focus. Ouais, par contre, comment est-ce que je peux l'avoir? J'avais pas mal de points en haut, alors on va aller voir ça. Je suis désolé si je mets trop de temps, mais comme je découvre le jeu, j'essaye de...
D'accord. En fait, j'étais là depuis tout à l'heure, mais... You already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Par contre, ouais, c'est pas évident de se dire. De se dire, tiens, c'est là. Après, c'est peut-être parce que c'est le début du jeu et que j'ai pas encore bien. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Peut-être que au fur et à mesure que j'avancerai dans le jeu, peut-être que je comprendrai plus simplement les trucs des runes. En fait, on voit bien que... Je vais m'arrêter 30 secondes. On voit bien qu'il y a les petits Y, là, enfin, pour ce cas-là, le petit Y et le petit N. On voyait bien qu'ils nous appelaient d'un côté. Mais après, il faut trouver le bon point pour faire le zoom. Mais c'est intéressant, à la limite. Si c'est ça la seule difficulté du jeu, retrouver les runes, ça devrait aller assez vite maintenant. Maintenant qu'on a compris le principe. Donc il va falloir que je fasse attention au combat. Là il y a une porte, donc je suppose qu'il va encore y avoir des monstres. Il paraît que leur épée, il faut qu'on mette un gros coup. Comment on change de cible, et là je pense que je vais mourir. Aïe, comment on change de cible? Z ou C? Ok, il faut que je pense à changer de cible, et donc là la malédiction s'étend. Ok. Je suis vraiment pas du tout habitué au clavier, donc Aïe. Désolé. Bon, ça c'est pas trop mal. Bon, par contre, je suis mort une fois. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt.
Et ben on va essayer de trouver la torche alors. Mais au moins on aura plus ou moins compris comment faire. Désolé. J'ai vu qu'il faut que je trouve une torche. Focus. Elle est pile bien placée. Ok, donc là fallait juste ouvrir. Il y avait peut-être des trucs à faire. Allez, il y a deux chemins. She get through. She'll need to find another way. Druth said, "Find your own path." There's always another way. Il y a une porte de sûr. Find your own way. You just have to find it. Is waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Soot is waiting for you. Find him. The pyre. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. People from elsewhere cannot endure a journey there. Ok. Ça donne vachement envie, dis donc. Et je suppose qu'il va y encore y avoir un combat après. Je m'habitue à... avec les touches du clavier. Donc je suppose qu'au fur et à mesure, donc il y aura de plus en plus de monstres. Oh, une porte de sûreté. Another gate. Another gate. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Thank you.
It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Il donne pas envie de le rencontrer, ce bonhomme. Alors j'essaie de m'emparer, il faudra que j'aille par là-bas. Je peux pas grimper ? Il doit bien avoir un truc pour un... Allez. C'est noir. Il doit y avoir un autre chemin. T'as déjà lu, petit truc. Petite tablette. Ah, j'avais pas vu le chemin. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Par contre, j'aimerais bien que ça me fasse une petite sauvegarde. Que l'épisode soit trop long. On va regarder juste un peu pour partir. Ouais, on avait vu qu'on pouvait sauter, donc c'est de l'autre. Allez, cours, c'est noir, cours. Allez, ça devient bon.
your gods answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Ok, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura trouvé une nouvelle mécanique de jeu avec les flammes, etc. On va se retrouver donc dès mardi, donc dès demain, pour la suite de nos aventures sur Hellblade: Senua's Sacrifice. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.